Réaction au niveau mondial suite à l'élection américaine permettant à Donald Trump d'être le 47e président des États-Unis. Le président français Emmanuel Macron félicite Donald Trump pour son élection. Il indique via une publication « Être prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant 4 années, avec vos convictions et avec les miennes, avec respect et ambition pour plus de paix et de prospérité ». La présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, félicite chaleureusement Donald Trump. Elle indique que l'Union européenne et les États-Unis sont plus que de simples alliés liés par un véritable partenariat entre les peuples, unissant 800 millions de citoyens. Elle ajoute « Travaillons donc ensemble sur un programme transatlantique fort qui continue à leur être utile ». De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky félicite Donald Trump pour son impressionnante victoire électorale. Il indique via une publication sur X « J'apprécie l'engagement du président Trump en faveur de l'approche de la paix par la force dans les affaires internationales. C'est exactement le principe qui peut concrètement permettre d'aboutir à une paix juste en Ukraine. J'ai bon espoir que nous le mettrons en pratique ensemble. Nous comptons sur le soutien bipartisan continu et fort de l'Ukraine aux États-Unis. Nous souhaitons développer une coopération politique et économique mutuellement bénéfique qui profitera à nos deux nations. L'Ukraine, l'une des plus grandes puissances militaires d'Europe, s'est engagée à assurer la paix et la sécurité à long terme en Europe et dans la communauté transatlantique avec le soutien de nos alliés. Olaf Scholz, le chancelier allemand, félicite Donald Trump. Il indique que l'Allemagne et les États-Unis collaborent depuis longtemps avec succès pour promouvoir la prospérité et la liberté des deux côtés de l'Atlantique. Il indique « Nous continuerons cela pour le bénéfice de nos citoyens ». La présidente du Conseil des ministres d'Italie, Giorgia Meloni, indique via une publication sur X « En mon nom et en celui du gouvernement italien, mes plus sincères félicitations au président élu des États-Unis, Donald Trump. L'Italie et les États-Unis sont des nations sœurs liées par une alliance inébranlable, des valeurs communes et une amitié historique. Il s'agit d'un lien stratégique que nous allons, j'en suis sûr, renforcer encore davantage. Bon travail, président. » De son côté, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez félicite Donald Trump pour sa victoire et son élection comme 47e président des États-Unis. Il indique « Nous travaillerons sur une relation bilatérale stratégique et sur un partenariat transatlantique fort. » Poutine ne félicitera pas Donald Trump pour son élection. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, indique « N'oublions pas que nous parlons d'un pays hostile qui est directement et indirectement impliqué dans une guerre contre notre État. » Le Premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer, félicite le président élu Donald Trump pour sa victoire électorale historique. Il indique « Je me réjouis de travailler avec vous dans les années à venir ». De son côté, Viktor Orban, le Premier ministre de la Hongrie, indique « Le plus grand retour de l'histoire politique américaine ». Il félicite le président Donald Trump pour son énorme victoire. Une victoire, selon lui, bien nécessaire pour le mondial. Le Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, indique « Mes plus sincères félicitations, mon ami Donald Trump, je vous félicite pour votre victoire électorale historique. Alors que vous vous appuierez sur les succès de votre mandat précédent, je me réjouis de renouveler notre collaboration pour renforcer encore le partenariat global et stratégique Inde-États-Unis. Ensemble, nous travaillons pour le bien-être de nos peuples et pour promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité mondiale. » En Chine, une des porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, indique que la Chine a déclaré espérer une coexistence pacifique. Elle rajoute « Nous continuerons à aborder et à gérer les relations Chine-États-Unis sur la base des principes de respect mutuel, de coexistence pacifique et de coopération mutuelle bénéfique. »